Arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Et y'a plus petit pote Zebraco, nouvelle vidéo sur Clash Royale les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo, présentation deck avant que la vidéo commence, y'a très très important, n'hésitez pas à vous abonner, lâchez votre meilleur pouce bleu, et mettre un petit commentaire, ça fait plaisir. Donc voilà, on va se jouer un petit géant royal. Petit GR que j'ai jamais testé. On va aller le tester en défi classique pour aller faire sur 12. C'est juste que la vidéo de demain, ce sera une vidéo que j'ai tournée il y a genre une semaine peut-être. J'ai juste oublié de mettre en ligne, du coup je vais la mettre parce que c'est un 12 victoires, un petit 12-0. Donc on va, je vais vous poser ça. En plus le deck est intéressant. Donc c'est parti, on part sur cette première game. Contre Godly. Allez, c'est parti. Good luck. Ok, un autre spirit trick ici. Hop. Ok, une ennemi. Ok, on va activer la tour du roi. Ah, j'ai raté mon placement. Let's go. Ok, plaisir. Ok, force avec une Valkyrie et des sapeurs. Très bien. Parfait. On a fait une bonne défense avec le prince ténébreux et la chevelu. Et force avec des gobelins aussi. Ouah, frère, là, t'as vu. Ok, il y a peut-être une table, mais on a une MG en vie, nous. Hop. Ça c'est parfait, là on met de bons dégâts, on met de très très bons dégâts. Là on va aller activer la tour du roi, tout simplement. Oh, c'est ma pointe placement. Ma tête placement, let's go. Je crois que j'imagine qu'il faut qu'il soit full life, hein, c'est pour ça. Ok, on va échouer tranquillement ça. Ah, mettre un petit GR full map, je pense. Bon, tu casses les couilles à full spam là, frère. Ok, c'est bon, très bien. On va mettre une MG, hop. Ouah, il force. Ouah, c'est mal, tranquille. Mettre le GR, tiens on a le foot qui va arriver. Deux squelettes. Bon après un coup de sapeur, c'est pas dramatique. Est-ce qu'on peut y mettre un petit coup de GR? On va défendre ça évidemment. Un petit coup de GR, nice. Ça fait plaisir. On va le mettre le pêcheur aussi, on va essayer de requêter toujours un. Pour la troisième fois. Ok, on connecte qu'un sapeur. Ouah, il est trop trop chiant, c'est pas sûr. Il a raté cette arme, c'est pas mal. Là on peut les gérer. Elle est fou en plus. Oh là là, la belle food. La belle food qui va nous permettre d'aller chercher cette tour. Après je ne sais pas évidemment. Et ouais, c'est une tour. Plaisir. Petite victoire Godly contre un petit mineur sapeur. C'est le deck d'hier hein, que je vous ai présenté. Allez, on passe cette deuxième game contre Ascokan. Bekan, Francis. Oh la putain, qui a le feu. Ok, gobelin Saint-Vacan. On va aller mettre une bûche. Tranquillement. Ok, loin d'Air France, on va aller pêcheur. Hop. Parfait. Bon, pour l'instant, on est sur un spammer de qualité. C'est faux. Avec tout ce qu'il y a. Comme j'avais vu. Ok, si c'est pas sur l'arty, ça c'est parfait.
On va la mettre là, ça là, parce que s'il met une voleuse, bon, moi ça le fera. Et je pense qu'on va les protéger mon Dark Prince, on va les mettre en GR. Je suis le même jeu. Ça peut être pas mal, hein, je pense. Parfait. On va aller trop esprit en pochette de quelque chose. Ok, mais là, Dark Prince, le Kirikou, il va mourir. Et là, on va les prendre la tour, si c'est le plaisir. Il peut mettre des flèches, mais ça change pas grand-chose. Ok, parfait. Ok, ok. Bon, pour l'instant, on n'est pas trop mal. On va le mettre en pêcheur. Oh, bon, allez, on va cycler la bûche. On va cycler la bûche. On va mettre un arc-en sur le map. Allez, mettre en pêcheur. Là, voilà, ouais, nickel. Ouais. On va mettre ça là pour éviter la, le dash de la bouffe. Et voilà, nickel. Ça, on est bien, et là, c'est l'élixir 2, Vodé, il arrive assez vite, on peut mettre le GR pour protéger Dark Prince, on arrive pas, bon, on arrive pas à temps. Ok, là, MK, ok, ça, on va avoir une bonne bûche, là. Obligé à mettre dans le sang qu'il y a derrière, comme un putain de débile. Non. On a quand même une bonne bûche. On va mettre un Newiz. Ok, il le met un peu plus tard. Oui, ça le tue, ça garde de Newiz en vie, let's go. On a toute une bonne bûche ici. Ok. On va mettre un Lewis. J'ai un peu paniqué sur Lewis, mais c'est pas trop grave. Voilà. Là, on évite le dash. Yeah, c'est exactement ce que je veux faire. Hein. Éviter le dash. Voilà, il va y mettre ça. Darren. Hop, on va lui mettre ça. Il met la gogo. Voilà. Voilà, voilà. Donc, quand on gagne contre un MK, je sais pas, mais il n'est pas de mission, je crois. Hein. Je crois qu'il n'est pas de Kava. Hein. Il n'y avait pas de cavaille, il n'y avait pas de bélier. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de punition, on va voir ça. Non, non, il a remplacé une punition pour le gong de gobelin. Je sais pas pourquoi. Ok, bon. Allez, c'est parti, troisième game. Ok, on va mettre les pêcheurs fond de map. On va aller mettre l'électro-esprit pour éviter le dash, je pense. On est comme ça. Du coup, nice. Ça pêche l'ami, ça c'est pas trop mal. Afin de défense, on va prendre un coup de cochon, c'est vraiment dramatique. Bon, ça me... je sais pas ce que ça peut être. Ok, on est sur un deck wish, très très bien. Ouais, le Dark Prince. Hop. Il y a encore des motifs. J'enlève. Le pêcheur pousse l'électro-esprit pour pas que le pêcheur fasse reset. Hop. Et là je pense qu'on va tout simplement les pouvoir gérer. Hein. Ok, il y a une double cabane. J'attends un petit peu que le pêcheur focus et... Oh, le pêcheur focus, enfin le gérant focus pas. Ok. On va juste tout simplement attendre alors. Ok, on va mettre une bonne bûche ici je pense. Ah dommage, j'ai un peu le timing, c'est pas trop grave. Ok. C'est pas trop mal, on va le mettre le pêcheur ici. Elle met le GA là, c'est le 5ème, c'est rien de dramatique. Ah, ça c'est un peu plus chiant un coup. Donc on va mettre un max de dégâts, là on a une belle foudre, on va aller la prendre. Hop. On va aller mettre l'électro-esprit ici, plus le pêcheur. On a fait une excellente défense là, on a fait une très 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 bonne défense. On va aller, on va aller remettre un GR. Et là je pense qu'on va aller prendre la tour. Hein. Même s'il met une commode,
Pour le coup, la tour, c'est pas trop mal. Ok, il met une cabane dans le fond de map. On attend un petit peu, on va aller foutre bûche. Ok, petite foot, petite bûche. On va aller prendre cette victoire, c'est vraiment plutôt pas mal. Ok, c'est parti pour la 3... n'importe quoi, la 4ème game. Ok. Et bon, ça m'a touché ton extra-esprit, ça m'a touché du sapeur. Allez, vas-y pour K-Web... K-Webic. Ok, on va aller maintenant plus cher ici. Pour activer la... pour prendre la charrette. Parfait. On est déjà derrière. Le toucher est toujours en vie, c'est plutôt mal. Ouais, oh, nickel. Il permet pas de prendre deux coups malheureusement. Ok, on a une bonne bûche ici. Parfait, on a fait une bonne défense. Ok, ok. C'est pas trop mal. Oh, ok, gère. Mais je dis n'importe quoi, là. C'est terrible. Hein. Il est chevalier d'or, fond de map. Ok, normalement, le pêcheur qui a pas du tout géré. Il doit mettre un Dark Frost en plus. Il a bien joué avec ses... glaise. On a mis un petit coup de gère, ça c'est cool. Oh, il casse les couilles. Ah mais ça, le spam, ça. On va devoir assumer les deux coups de sa paire, malheureusement. On se parle, ça permet d'égaliser. C'est un très bon joueur. Hein. Là, il joue bien pour ça. Ok, on est en France en map. Je vais aller foutre ça, je pense. Hein. Je vais me faire chier. Hop. Dès qu'il a ça, lui, On va aller mettre ça, plus un Dark Prince. On va mettre un Dark Prince là, plus une bûche. Quoi, il y a un... Kiriko aussi. Ok. On va pas assumer un coup de sapeur, j'ai dit on va assumer un coup de sapeur maintenant. Je vais devoir assumer chez Golan par contre. Pas avoir trop le choix. Il y a une bonne bûche. Hop, on va assumer la côte de ça, ouais, c'est pas trop grave. Ok, on va mettre ça, plus le GR au fond. Ok, dommage, j'ai mis GR sur tour, j'avais win. J'ai un peu le seum, j'avoue, j'ai un peu le seum. J'aurais plus la win, si j'avais un peu plus d'échelle, j'aurais win. J'avoue, j'ai le seum. Là, j'aurais pu la win. J'ai fait vraiment de la merde. Au bout d'un moment, j'aurais dû mettre une foot. Bon, le mec, il a 5 comme. Bon. My bad. C'est pas grave. On part sur cette 5ème game. Ok. Je vous jure, j'ai commencé à apprendre le chinois là. Hein. Des chinois en face. Des fois. Ok, c'est parti. Petit électro-esprit tranquillement. Une petite MG aussi. Est-ce qu'il joue quelque chose de plus ou je gère?
Putain, je vais gérer au pont. Ah, c'est pas trop mal. Ok, je vais en deck pour l'instant, what the fuck. Ok. Ah, c'est le géant. Ok. Viens là toi. Déjà, hop, j'ai un peu le même deck pour l'esprit. On peut aller mettre une chebu. Le plus je pense quoi. Non. Ok, on a la MG ici. On va prendre pas mal de dégâts par contre. Hein. Ouais, cette game va être compliquée, hein. J'ai pas un bon match-up du tout. Et comme je suis absurde pour un joueur que j'ai, c'est connade. Ok, donc attendez. On va mettre un GR. Là, je pense pas qu'il ait 6 sur 15. Non, on va être un peu chaud, hein, quand même. Ouais. Ok, on a l'autre esprit. Bon, on va quand même perdre la tour malheureusement. Ok, voilà, c'est la merde, hein. J'ai pas vomito les gars, c'est la merde. Ah là, y'a que en force comme un gros gitan que ça passe. Hein. Y'a amené ça à tout ou pas? Je pense. Y'a pas amené ça à tout, hein. Allez, GR. Ok, y'a pas de dernier coup sur vous. Le monde d'arpent ici. Bah, y'a qu'une chute un peu tard. Ouais, faut que je fasse gaffe quand même, hein. Faut que je fasse gaffe avant de faire le programme. Ah, je sais, je perds pas beaucoup, mais je suis concentré pour pas perdre. En fait, t'as fait combien? Enfin, j'ai fait un tour avec une chose. Je vais juste tenter pour l'instant. Oh le chien. Malheureusement on aura fait une défaite. Ok, allez c'est parti. Season game. On va essayer de faire des wins parce que là sinon c'est chiant si je suis pas 12. Hop. Ok, va mettre le Dark Prince. On a l'électro esprit s'il veut jouer c'est capa. Donc je contrôle plus du jet. Et là comme il est armé squelette, on va mettre un électro esprit en plus. Et il y a une arme aussi, apparemment. Après quelques dégâts mais rien de grave, rien de grave. Notre Ibu ça fait le taf. Il va voir ce que là je suppose. Il chauffe, ok. Ok, ouais, bizarre. On met le Dark Prince encore. Il n'y a pas besoin de plus forcer de toute façon. Le Dark Prince il va gérer. Il a pas du tout géré. Alors ça gagne ses dégâts. La faute finit à tour en tous les cas, donc j'ai pas besoin de m'inquiéter sur ça. Ok, t'as l'air, d'ailleurs, je viens de capter maintenant, mais j'aurais dû mettre des gerfs fond de map. Ok, un non GR ici, c'est pas grave. Un électro-esprit en plus. Hop. Ok, on a notre MG là qui a fait son taf. Si je joue quelque chose, je fous dans tous les cas. Bon, peut-être pas des chauves-souris non plus, faut pas abuser, mais... On va pêcher un fond de map tranquillement. Ok, là, on va foudre. Là, si on joue, le truc passe quasiment au pont et je foudre. De toute façon, t'as amorti avec, je pense. Voilà. J'ai raté ma foudre. Je suis vraiment un début profond. Ah, ça fout plus la tour.
Ok, on va les mettre une petite MG ici, tranquillou. Est-ce qu'elles sont cul, ouais, quand même. Ok, on va les mettre celle-là, on va les mettre ça comme ça. Là 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 là, là quel plaisir. On va les mettre ça ici en plus. On va les prendre cette, cette win, ce tour. Pas encore cette win, mais on va les mettre un bon œil sur sorcier. On peut mettre son kappa, logique. Là on va avoir une bonne bûche du coup. Hop. Ok, parfait, bah nickel, on va aller prendre cette, cette win. Hop. Ok, c'est pas mal. Ok, ok. Ouais, on a fait du mec d'avant, qui okay, tu vois, bon, il était vachement nul. Hein. Et lui, il était bien plus fort déjà. Hop. Allez, c'est parti, game suivante. Je compte plus les games là, je suis... Je sais plus, 4, 5, 6, c'est la 7ème game, il me semble. Ok. Ok, très bien, on va attendre l'électro sorcier tranquillement. Ah, ça c'est clean. Ok, mais un petit bubu, on va les mettre un peu cher ici. Ok, on va les mettre un GR là, plus un Aetro Esprit. Parfait, Aetro Esprit t'es clean là. Ouais. C'est quoi ces missions là, là. Ah ouais, ça c'est capable, elle était nul, c'est capable, elle était nul. On va les mettre 1500 dégâts au GR, c'est plutôt pas mal. Ok, bon. Gang, squelette, ouais, roi squelette. Ok, ok. Horus, très bien. Ok, on défend clean. Ouais, on va voir ce qu'il joue. Il a un bubu aussi, c'est vrai. On va aller foutre ça. Je vais forcer un peu comme un gros corps, mais on va les coups. Ça lui force un gang, ça me va. Ça me va, ça lui force un gang. Du coup, j'ai gagné un d'élixir dans le trade, donc ça me va. Bah du coup on va mettre un GR écoutez. Il y a vraiment une fourreuse éclatée là. Hein. Il y a seulement qui a sa capa je pense. Oh il a sa capa. Oh le con. Ok, après shot foot, de toute façon, dommage. De toute façon, je vais me mettre les couilles, hein. Là, je sais que dans tous les cas, j'ai la tour. Hop. Il y a rien pour les faire manger, en fait, c'est cool. Hop, c'est clean. Du coup, on va aller prendre la tour, on va aller mettre le pêcheur plus la MG. Parfait, on va tuer vite le roi skate qui s'accapare. On va aller mettre ça plus un GR ici. Hop, parfait. Excellent, on va aller prendre cette win. Nous sommes en 11-2, c'est la game décisive. Je le sens les gars, j'ai un flair pour ça. Je sens que j'ai pas de la prochaine game, je le sens. Il faut que je fais mon meilleur 11 victoires. En mode casse les couilles. Bon. Ok, ok. Pour l'instant, on affronte que des mecs comme les livres classiques. Allez, c'est parti. Dernier regard de la vidéo que je gagne ou que je perde. Ok, ok. Allez, c'est parti. Ok, bon il joue pas, on va les mettre bien joué. Bah écoute c'est du GR qu'on joue. Rien de dramatique. Non, Ah Zappy c'est un peu plus dramatique. Hein.
Ouais, Zappi ça va être chiant, mais on a la foudre. La foudre qui a beaucoup nous aider en défense, hein. On va éviter de la mettre sur le tour avec le Zappi, on va attendre qu'il y a Darren qui arrive pour pouvoir mettre une belle foudre. Ok, bon il met une MG fond de map, on va mettre un AX pour sortir tranquillement. J'espère que c'est la version rage et pas foudre. Je pense que je vais aller j'ai reposé. C'est mal pêché en tous les cas pour ma troupe. Okay. Oula. Pas sûr du forcing là. Pas sûr du tout. Hein. Ok, il m'a mis une PK. C'est légèrement relou. Dans le milieu. Zappi normalement c'est bon, ça défend large. Voilà, voilà. Nickel, on a fait très très bonne défense pour l'instant. Il est qui défend, ouais, il a fait qu'un zap, bien joué de sa part. Je crois que foot plus bûche ça tue le Zappi. C'est pas mal. Ok, on va aller mettre un électro-sort sur fond de map. Tranquillement. Ok, là par contre on va mettre le GA. Et là on va les foutre parce qu'il va être un PK avec normalement. Moins d'arpent ça me va. Ça va même se permettre d'aller activer cette tour du roi. Attention quand même. Ah yes, c'est exactement ce que je veux faire. Voilà pourquoi je déteste les appuis. Vraiment c'est un truc que je déteste exactement pour ça. Parce que c'est genre un truc raté, j'ai plus de tour. Ok, on va aller gérer là. Hop. Soit là, foot bûche plus électro-sorcier ça tue. On va aller mettre une bûche plus une foudre. Bon, l'échelle du no-skill, on est quasiment au maximum, hein, niveau Zappi. Voilà. Voilà pourquoi je déteste le Zappi, parce que le mec il a juste tout mis au pont et je peux rien faire. Avec la rage, ça va trop vite. J'ai pas le temps de tout kite. Malheureusement on a fait 11 victoires. Je l'avais dit le game d'avant. Bon. C'est pas grave, on a fait un petit 11 victoires contre ce fils de pute. Littéralement, j'ai que ça à dire. Même son deck ladder déjà, rien que ça. Bref, j'espère que la vidéo vous aura quand même plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, votre meilleur pouce bleu, à mettre un petit commentaire, ça fait plaisir. Et c'était vrai coup. Ciao ciao.